Ok, so on a déjà vu comment trouver le pourcentage de nombre. Et en classe, on a vu aussi si on est donné un nombre et que ça dit que ce soit un pourcentage de nombre original, comment le trouver. Mais je veux réviser ça assez vite ici. So, ce qu'il faut faire, c'est que imagine que tu as 135% d'un nombre égal 75. Ceci aussi peut être écrit comme 100, je vais faire dans une autre différente couleur, 135 d'un nombre et 75. Okay. Ça, c'est différent que dire que comme 135% du 75. Okay? Ici, ce qu'on a, c'est que on a une droite numérique. Si on imagine ça comme droite numérique, que 100% est là et 135% ici et ici. Okay? Et on sait que 135% est égal à 75. Alors, on veut savoir ce nombre. Okay. So là, je vais prendre le 75 et je vais diviser ça par 135, puis je multiplie par ça. Okay. La raison pourquoi je fais ceci, c'est que on veut savoir qu'est-ce que ça égale sur 1. Okay. On va diviser ça parce qu'on veut savoir qu'est-ce que ça égale sur 1. Et ça va nous donner un nombre décimal. Okay, alors, si je fais 75 divisé par 135, ça me donne 0,555. Ça répète. C'est 0,5 qui répète. Okay? So, si je multiplie, je vais effacer ça. Ça me donne 0,5 qui répète. Et si je multiplie ça par 100, je reçois 55,5 qui répète. Alors le nombre est ça. Ça, c'est le nombre. Le 100% ici, c'est 55,5 qui est le 5 répète. Et on peut faire ça avec n'importe quelle question, OK? So, si je fais un autre exemple de ça, j'ai 12, j'aime pas le bleu. Douze pour cent d'un nombre et 42. So, ici c'est 12%, c'est 42, et je veux savoir qu'est-ce que c'est le 100%. So, je fais la même chose. Je prends 42, je mets ça sur 12 et je multiplie par 100. Ce que je reçois cette fois ici, c'est 3,5 fois 100. Et si je multiplie ça, c'est 350. So, mon nombre est 350. Et n'oublie pas qu'on peut vérifier ça. Si je prends 350 et je multiplie ça par 12%, qui est 350, multiplié par 0,2, 12, ça va me donner 42. OK? L'autre année, on a aussi vu l'idée de pourcentage d'augmentation de diminution. Alors ici, tu vas calculer le changement, puis tu prends la quantité originale et tu multiplies par 100 pour recevoir un pourcentage de changement. Okay? So, dans cet exemple, la classe a commencé avec 18 personnes. Il y a maintenant 26 personnes dans la classe. Quel est le pourcentage d'augmentation? So,
d'aller de 18 à 26. Le changement qui est arrivé, c'est 18, 26 moins 18 me donne 8%. J'ai ajouté 8%. 8%. So, je prends le 8. Mais le nombre par lequel je dois diviser, c'est la quantité originale. OK? So, ça, c'était 18. On a commencé avec 18. Et on multiplie ça par 100. So, si tu fais 18, 8 divisé par 18, tu reçois 0,4 qui répète, multiplié par 100, okay, qui te donne 44,4%. Okay? So, ça te donne 44,4%. Puis, un autre exemple, le prix du chandail était 25,99, il est maintenant 19,99, comme on dit en classe, ou 99. Quel est le pourcentage de diminution? So, je vais prendre la différence entre ces deux, 25,99 moins 19,99 et ça me donne 6. OK. So, maintenant, je prends... N'oublie pas que c'est changement par quantité originale multiplié par 100. So, je vais changer la couleur de l'encre là. So, j'ai 6 divisé par 25,99 fois 100. Okay. Et ce que ça me donne, c'est 0,23, 0,8 fois 100, qui me donne 23,08%. Ça, c'est le pourcentage de diminution pour celui-là. On peut utiliser ça pour calculer toutes sortes de pourcentages de changement, de diminution ou d'augmentation. Okay? So, c'est toujours le même processus. Il faut trouver le changement. Et puis, il faut trouver, après ça, le pourcentage. Tu décides qu'est-ce que c'est le prix original ou le nombre original sur lequel tu vas mettre ou par lequel tu vas diviser. Et puis multiplier par 100. Alors, prends comme exemple, si je change maintenant et je dis que le prix augmente, retourne à, ou augmente à 30 $. OK? So, ça augmente à 30,99. So, ça a augmenté par 11 $ parce que 30,99 moins 19,99 égale 11, ça je prends 11, et n'oublie pas que mon prix original était maintenant ceci, et je multiplie ça par 100, ok? So, je fais 11 divisé par 19,99, et ça me donne 0,5502 fois 100, qui est 55,02%, ok? So, si ça augmente de 30 à 30,99, okay, le changement est plus grand, ou le pourcentage est plus grand parce que mon prix a changé, mon prix original a changé. OK? So, il faut essayer de lire les questions attentivement pour assurer que tu utilises le bon nombre original, puis que le changement que tu trouves ça.